Bon, alors maintenant, on ne va pas faire attendre notre merveilleuse Lynn Monti, hein, qui est là, qui a été d'une patience absolument angélique et qui va maintenant nous faire profiter de son art. Mais je précise que Lynn est accompagnée à la derbouka par Youssef Esseghir, au mandol par Hakim, au piano par Marco et au violon par Maurice Selem. On applaudit Lynn Monti.
طمول الهم أشبب في الخيال فقسي وشباك زعمة طوال المثال لا لا يا لغادي للصحراء شوفي غزال منو ما نكتحش يا ما بالحي ما Je ne regrette pas d'avoir insisté ce matin hein, pour vous demander d'être là, vraiment. Hein. Et tout à l'heure, il y a Blond Blond, quand vous avez commencé à chanter Blond Blond, prenez le micro. Oui, il est là. Et tout à l'heure, quand vous avez commencé à chanter, Lynn, Blond Blond a dit « Quelle douceur hein, !» C'est ça, Blond Blond. Exactement. Exactement, et d'ailleurs, j'ai toujours admiré Lynn, et j'ai beaucoup travaillé avec elle, d'ailleurs. Et j'ai toujours été satisfait de sa prestation. C'est ça, et puis elle est belle, et puis elle est distinguée. Enfin, c'est un vrai plaisir. C'est la grande classe. C'est la grande classe, oui, Lynn. Hein? Vous avez chanté « Je suis la femme solitaire ».
dans le désert de ma solitude, et puis on m'appelle l'Oriental. Et d'ailleurs, j'ai noté que dans l'Oriental, qui a été un de vos gros, qui est le grand hit de Lynn, vous l'avez créé quand, l'Oriental? Oh, je l'ai créé, ça fait... Quelques années? Oh, quelques années, plus que quelques années, c'est oui, ça. En effet. Je c'était crois que c'est une... en 1947. Ah ben alors, tu as bonne mémoire, Blondon. Ah, ben, oui, oui, c'était une de mes premières créations. C'est ça. Que... Oui, exactement. Et ça a fait le tour du monde. Oui, ah, oui. Oui, oui, ça. Et alors, il y a une phrase absolument pour moi, enfin pour chacun d'entre nous, à l'intérieur de l'Oriental, enfin dans l'Oriental, c'est « On critique ma vie, on aime ma compagnie ». Moi, j'aimerais bien que la deuxième partie de la proposition soit juste. Alors, je voudrais dire une chose à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent peut-être de l'autre côté de la Méditerranée. Il ne faut pas écouter les gens qui ne disent que des mots agressifs ou des mots, des erreurs, ou qui disent qu'il ne faut pas se parler, qu'il ne faut pas s'écouter. Ce qu'on voit au contraire ce soir, c'est le patrimoine de chacun d'entre nous. C'est le patrimoine des Français, c'est le patrimoine aussi de tous ceux qui habitent de l'autre côté de la Méditerranée. Et je pense, enfin je ne sais pas moi, en vous ayant écouté ce soir, en ayant été avec vous ce soir pendant tous ces instants que nous avons partagés de musique, j'ai l'impression que s'il n'y avait que de la musique et des choses comme ça, les gens s'entendraient beaucoup mieux. Ça a l'air un peu démagogique de dire ça, mais pourtant c'est vraiment ce que j'ai ressenti ce soir. Et je suis sûr que Taufik, Séverine et M. Haus pensent exactement comme c'est moi. C'est la fraternité qui s'est manifestée. Qui s'est manifestée ce soir, oui.